Chronique de massacre annoncée. Tourisme dans l'île à vache. Haïti, troisième manifestation, mouvement, protestation, habitants île à vache. Lundi 10 février, plus qu'on 1000 habitants île à vache, t'es entamé le week-end qui s'est passé à troisième manifestation contre un projet touristique que le gouvernement a gagné après plusieurs jours de fonchit, de calme là, d'après ça, Alter Press annoncé. Gagné une manifestation qui était faite le matin, vendredi 17 février 2014, là, qui était déroulée là sans incident. Manifestation, ça a commencé dans la zone Kaikok, avant pour te faire environ toute plage dans Zilea, parmi le grand sable et tout milieu. Manifestants ont été exigés pour le gouvernement retirer l'arrêté présidentiel que l'on a mis dehors sur le projet destination touristique et la vache là. Et un projet que entamé, que si l'entamé, il impliquait relocaliser, voyer plusieurs milliers de monde à vivre l'autre côté, des monde qui habitués vivent essentiellement de la pêche dans la mer. Il n'a pas pour vendre, ni en gros, ni en détail. Il faut éliminer, arrêter 12 mai 2013 là. C'est ça, quelques slogans que vous avez fait manifestation, vous avez protesté, vous avez monté là. Pendant que vous avez tapé et souqué branche bois et montré des pancartes que vous avez porté tout. Dans la manifestation dans la zone Madame Bernard, il y a quelques policiers et commissariats qui ont remarqué. Mais après, nous pas ouais, c'est ça, une manifestation a été indiquée. Une manifestant a été indiquée. Et dans la dernière rencontre, 16 janvier 2014, que a été gagné avec le ministre touriste Stéphanie Balmier-Vaudouin, il a demandé et font chita là pour 2 mois. C'est même combien de paysans il a vache qui a un sigle en créole COPI, K-O-P-I, qui te dit à font chita là pour 2 mois en façon pour analyser. Document projet que le gouvernement a été remettre. Et bien, il n'a pas été respecté tout chita. Il n'a pas respecté et posé, il a dit, il a fait. D'après, il y a un habitant dans Zilea parce que travail et projet, lui-même, il a continué là, notamment, il a continué à faire drainage pour Madame Bernard. Durant 2 derniers mois qui sont passés, les dirigeants ont tenté par tout moyen possible pour faire infiltration dans la population et dans l'objectif de déjouer la mobilisation des habitants d'Iléa. C'est ça, ils ont même copié, ils ont avancé. Dans le mois de mars 2014, là, à travers la mairie et la vache, nous pouvons demander au ministre Stéphanie Balmier-Vaudouin pour le faire chita parler avec nous, en façon pour nous poursuivre la discussion. Concernant pour arrêter présidentiel là, c'est ça copie t'est annoncée.